Yop tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça sera une vidéo avec des cartes encore une fois. Donc bon, je vais faire un petit tour. Puis je vous ferai les explications à la fin. Donc d'abord vous demandez à une personne de prendre une carte. Donc je vais pas la regarder, je tourne ma tête. Je sais pas si on la voit bien. J'espère. Je la mets sur le côté. Je vais séparer le deck en deux. Cette carte, je vais la poser dessus. Et je vais le mettre là. Voilà. Donc, votre carte, je vais vous la retrouver. Avec de l'aide de la magie, bien sûr. Donc, je vais étaler toutes les cartes. Ah, la magie nous joue souvent des tours. Donc, je suis sûre que c'est celle-là. Celle-là. Je sais pas si c'est vraiment celle-là, mais je pense que c'est celle-là. Donc, on va tout de suite refaire le tour. Et ce qu'il faut faire juste avant, donc on va passer aux explications. Vous prenez votre deck. Donc vous enlevez deux cartes. Enfin, deux cartes avant la fin. Et puis vous retournez. Une. Je repose par-dessus. Vous êtes devant la personne. Vous montrez le deck. Enfin, il choisit une carte. Hop. Admettons elle. Le 3 de cœur. Donc ensuite, vous devrez séparer le deck en deux, sans oublier que votre carte, elle est là. Donc, vous le séparez en deux. Et vous mettez la carte par-dessus. Ensuite, vous revenez, comme ça. Et vous avez juste à étaler le deck. Et puis, genre, vous sortez une phrase tout con. Ouais, genre, comme moi je l'ai dit, la magie nous joue souvent des tours. Et votre carte qui était retournée, donc vous regardez. Non, de l'autre côté. Tac, c'est celle-là, le 3 de cœur. Donc, voilà. C'est tout pour ce tour. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner. Allez, ciao !